tu prends 18 points de dégâts. Attends, j'ai entendu 18 points de dégâts, c'est quoi cette histoire? Tu prends 18 points de dégâts. Ça va, c'est mort votre tank, les gars, hein, je suis votre tank, n'oubliez pas. Ça fait mal. Aïe, ça pique. Aïe. Chante, chante pour moi. Aïe, 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 aïe. C'est pas ma guerre. Ceci dit, la force du blow te... La force du coup t'envoie valser contre Rudium et vous tombez tous les deux par terre. Donc tu as combien de points de vie maintenant? Bah 25 moins 18 quoi. Oh, il te reste encore 7 PV, c'est bien. Bah oui, ça va quoi, je peux encore en encaisser. Ah, t'es même pas encore mort. Bah, non, dis, ça va. Je suis une femme... Poilue, forte. Ouais, hein, bon. Il est en train d'attaquer maintenant, hein. Il a intérêt à bien se tenir, ce petit peu. L'ogre rugit de plaisir après ce coup. Ville, tu viens de voir le coup effroyable que l'ogre a porté à Isaël. Isaël qui a littéralement volé suite au coup. Dans quel état est l'ogre en ce moment? Il a l'air d'être assez mal en point et d'être en train d'écumer les rages et de haleter, on va dire. D'accord, d'accord. Est-ce que... Donc là, si je regarde, si je me réfère au plan de bataille, là, je suis dans son dos. Tu es dans son dos, tout à fait. Alors, je vais tenter une attaque sournoise. J'avais juste une question pour l'attaque sournoise. Moi, j'avais noté plus 2d6, mais c'était plus 2d6 à quoi? C'est 2d6 ou c'est mon attaque, mon jet de dégâts plus un 2d6? Attends. De plus, est-ce que... Attends, je regarde quand même une chose. Ok, j'en ai. Donc l'attaque sournoise. Donc l'attaque sournoise ou l'attaque en tenaille? C'est l'attaque sournoise. D'accord, les conditions c'est? Il faut juste que je l'attaque sans être dans son champ de vision, sans qu'il ne me voit arriver. Ça peut être fait même de profil, ça peut être fait. D'accord. C'est pas forcément dans le dos en fait, c'est la seule chose que j'ai retenu du truc. Donc je retrouve le truc, je sais plus. Tu l'as qui quand ça déjà? Quand je suis passé au niveau... Non, bien avant même, au niveau 2 je crois. Niveau 2. Le fait de montage, roubleur en finesse, équilibriste. Esquive total, ok. Ah, c'est un talent que t'as choisi. Ah non, ouais, c'est même ça, c'est un des premiers trucs que j'ai pris en fait. Ah, mais je le retrouve pas, t'es sûr que c'est Attaque nos sournoises que ça s'appelle? Ouais, attends. Plus 2d6 de dégâts de Rimbaud, dit une sournoise, ok, ta. Et... Ah bah en plus, ils étaient en train de parler de ça juste avant, genre ils me disaient qu'il fallait que je tente une sournoise avant, ok. Oui, c'est un peu Deus Ex Machina, je dis rien, hein, bon. Pathfinder, Attaque sournoise, ça m'avait trop, attends, je suis sur Google là, hop. Roublard, attaque sournoise. Bien quelque part. Alors, l'attaque sournoise. Oui. Attends, c'est comme ça. Si tu tapes ici comme ça. Lorsqu'un roublard attaque son adversaire dans une situation où ce dernier est incapable de se défendre efficacement, je suis con. Il peut lui infliger des dégâts supplémentaires en touchant un point sensible. Donc, votre adversaire n'a pas encouragé pendant ce combat, une condition. Vous prenez l'adversaire en tenaille, deuxième condition. Votre adversaire est sans défense, deuxième condition. C'est pas le cas. Donc là, tu peux utiliser ton attaque sournoise uniquement si t'es en tenaille, à l'aide d'un allié. Et pour être en tenaille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'opposé de toi. Bah là, il y a 3 personnes à l'opposé de moi. Il y a une personne vraiment à l'opposé de toi, c'est le petit gars qui était venu aider. Ah bien, ce petit gars, il va morfler. Donc on ne multiplie pas le bonus de dégâts à l'attaque sournoise en cas de coup critique, ok. On peut faire une attaque sournoise avec une arme de mêlée ou une arme à distance. Donc c'est le même jet pour le toucher, c'est juste les dégâts. Ou t'as un D6. C'est pas 2 D6? C'est un D6 au dégât. Et pourquoi 2 D6? Mais je sais pas, moi j'avais noté 2 D6. Ouais, t'as peut-être 2 D6 parce que t'as gagné de niveau. Je sais plus. Que c'est un D6 à la base. Ouais, c'est vrai, j'ai raturé le 2. Enfin, c'était un 1 avant le 2. Ouais, de fait, au niveau 3, tu gagnais 1 plus 1 D6 au niveau 3, exactement. Donc tu peux rajouter 2 D6 à tes dégâts.
si tu réussis D'accord. ton jet d'attaque. Ok, bon, bah, je vais commencer par le jet d'attaque, que je vais faire en attaque en finesse, donc prendre la dextérité, donc c'est un des 20 plus 3. Et t'as un bonus pour l'attaque en tenaille également. Ça, c'est pour les dégâts ou pour le Pour bonus le toucher. d'attaque? Pour le toucher? Et c'est quoi mon bonus du coup pour la tenaille? Je vais tout de suite. Tout de suite, c'est un. C'est relatif. Ok. Quand un allié. Ce bonus. Plus 2 au jeu d'attaque. D'accord, donc c'est plus 3 plus 2, ça fait 5, des 20 plus 5. Paul, je fais 13, magnifique. Quoi? Et l'ogre était assez distrait que pour ne pas que pour esquiver ton coup. D'accord, alors à ce moment-là, donc je vais, j'essaye, mon objectif, du coup, c'est vu que je vais pouvoir lui planter la dague le plus profondément possible et toucher un point sensible, j'essaie de lui sectionner Tu peux faire la deux attaques. jugulaire. Tu peux faire deux attaques d'un coup? Ou ça? Hein? J'ai pas encore fait mon attaque. C'était ça? Là, ça c'est mon j'ai touché que je viens de faire. Mais tu l'as pas réussi, hein? T'as raté ton coup. Ah putain mec, je savais Ah pas. bah la façon dont tu l'as dit, on a compris qu'il avait touché. Ah mais Ouais, moi non, aussi. je voulais dire non, c'est. Il a raté son Il est attaque. suffisamment distrait pour que tu touches. Ah Non, c'est ce je qu'il dis a autre dit. chose hein, en C'est ce vrai. qu'il a dit. J'ai eu Ah, c'est ce pensé. qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que tout le monde a entendu en tout cas. Oui, j'en ai rien à battre. Tu rates ton Ah! attaque. Tu rates ton attaque. D'accord. Et en fait, l'ogre, il faisait pas 3 mètres, il fait 15 mètres d'abord. Le gars il change tout. Et en fait il n'était pas de dos, il était de face. Et là, il a un pouvoir comme Wolverine, et il s'est régénéré entièrement. En fait, moi je suis trop gentil et Gilles il est trop méchant. S'il y a C'est ça Strix, le ça va être problème. méchant, je vous encule tous, quoi. Ah, c'est ça avec le gravier? Et en Et plus il est Ocel, hors au gros durée. sel. Au gros sel également. Isel, c'est ton tour. Non, je ne suis plus comme ça ici. L'ogre t'a repoussé contre Rudium. Et tu viens d'encaisser un coup qui, ma foi, a l'air de t'avoir défoncé les Terrible. côtes. Ah, il va m'urger, ce dog. Ouais, Tu as des seins il concaves. va mal payer, Défoncé, il va mal payer. Israël. Il va mal payer. Donc, je suis quand même relativement tout près, en fait, si je comprends bien. Donc, Ouais, vas-y. je vais tenter une main brûlante. Deux? Ah oui, tu peux encore en faire une. En utilisant. Non, je n'ai pas fait de main brûlante, hein. Ah, c'était rayon ardent, excuse-moi. J'ai fait rayon ardent. Ouh, comme il Oui. essaye. Je fais une main brûlante. Toute façon, t'aurais pu dans tous les cas. Donc, Donc, main je sais pas si. brûlante. Il faut que tu vois si j'ai pas eu d'abord. Donc, je vais réussir mon jet de réflexe. Il n'a pas de bonus, t'as de la chance. Il n'a aucun réflexe. Ah ouais, tu m'étonnes, c'était un con fini. Je l'ai tout de suite vu que c'était un con. Et il réussit son jet de réflexe. Donc il Oh. va prendre la moitié de tes dégâts. Qui est. Vas-y. Fais-moi tes 3d4. Ouh. Tu vises la tête de l'ogre. Sa tête se fait engloutir par les flammes. Ton jet de flamme s'arrête et tu vois la tête de l'ogre encore un peu en feu. Toujours debout, l'ogre. Une seconde après, l'ogre s'effondre sur le sol dans un nuage de poussière. À table. Ça Il était se facile à niquer, ce truc. sent un peu le cramé. Bah facile, facile, t'as rien fait du tout, mec. Moi, je vais auprès d'Israël. J'ai pu faire qu'un seul coup. Carbonisé sur place. Je m'approche d'Israël, je regarde si ça va, et même si ça va pas, c'est bon aussi. Hein. Si ça va pas, c'est bon, Fais-moi tes tracasse. jets sur ce coup-ci, parce qu'il y a comme 18 points de trucs à healer, quoi. Non, bah justement, je dirais, ça va, quoi. Elle est encore bonne, non? Elle est Oh, t'es bonne. bonne, hein. Ok, elle a les seins Attends, bah, concaves, mais c'est tout. non, je vais faire un heal. Je lui porte un soin modéré, D'accord. c'est-à-dire. Comment ça modéré? Mais t'es complètement ouf, toi. Y a Non, pas de attends. Modéré, modération. c'est pas mal, Y hein. a pas de modération, Modéré, là. c'est pas mal. Donc, en fait, 2d8 plus niveau de prêtre. Donc, Bon, bah, donc, il va R2d8 me soigner de son niveau de plus prêtre, 3. quoi. Alakazam!
Voilà, mais il y a combien encore quelque chose avec ça? Non, c'est tout. Moi, je vais lui faire aussi un petit soin à la petite fille pour avoir si bien joué avec les flammes. Pour information, le débat qu'il y a sur le chat, ça n'a aucune importance. Le gars avait 17 de CA, pas 16. Donc, Osef. Donc oui, fais-moi ton... Oh, 10, magnifique. Bah écoute, tu récupères 10 points de vie, tu sens tes seins qui sont un peu moins concaves maintenant. Et tu es maintenant à 17 points de vie. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Tes côtes ne sont plus que fêlées. Pourquoi 17? Mais t'étais à 7 points de vie. Bah t'as tout récupéré, non? Ah, il a refait encore 9 après. Voilà, bah oui. T'as tout récupéré. Voilà. Magnifique. Tout le monde est en pleine forme. La grosse bestiole est morte par terre. Magnifique. Facile. Le petit fermier regarde l'ogre et n'en croit pas ses yeux. Et la seconde d'après court vers l'écurie, rentre dans l'écurie. Et là, il y a 5 autres qui sortent. Quelques secondes après avoir rentré dans l'écurie, vous entendez le petit fermier qui commence à crier et à sangloter. Bon, ben voilà, on a fait tout ça pour rien, sa sœur est morte. Sa sœur s'est fait défoncer par l'ogre. Il y a un trou dans le sol, il y a juste deux jambes et deux. Oh non. Il y a des enfants qui nous regardent. Le drame des éjaculateurs précoces. Pardon. Je vous prie de m'excuser. J'avais l'image en tête, maintenant vous l'avez aussi. Ah oui, c'est malin. Bravo. Donc qu'est-ce que vous faites? L'ogre est tombé par terre. Il n'a rien à ramasser sur lui, cet ogre. Une petite bourse bien remplie, machin, on va le piller. Ouais, qu'est-ce que vous décidez? On peut pas prendre un trophée pour le mettre sur la salle d'Isaël? Vous pouvez prendre la grande bite de l'ogre. Voilà, par exemple. J'ai justement... Gator n'est plus là, j'ai justement besoin d'un gourdin. L'ogre, dans tout son fatras sur lui, avec quelques sacoches, c'est dégueulasse, autour de lui, dans tout son fatras, vous ne trouvez qu'un objet de valeur, qui est une potion. Ben, on va la prendre. Hein. Une potion. Vous faites... vous analysez la potion, etc. Et vous repérez que le hasard fait bien les choses, et c'est réellement un hasard, c'est une potion de résistance à l'acide. Une quoi? Oh. Une potion de résistance à l'acide. Oh. Et en gros, vous savez qu'une potion de résistance à l'acide, c'est la même chose que votre sort de protection contre énergie négative, mais uniquement pour l'acide. Mais moi, j'ai pas ce tour là. Hein. Tu l'as pas? Non, tu pourrais l'avoir si tu l'achetais. Bon, mais je vais prendre la potion avec moi. Je crois que c'est bien mérité. Il veut bien. Hein. Et Ville, alors il pourra pas se défendre. Eh ben, Ville, vu ce qu'il a fait au monstre ici, il repassera. Hein. Comment ça, mais, vu ce qu'il a fait au monstre ? Mais t'as résistance aux énergies destructives. Qui ça ? Toi. Non, les mages, pour les avoir, il faut qu'ils les apprennent. Ah. Je l'ai pas. Ah, ok. Donc il pourrait l'apprendre s'il étudiait le sort, mais c'est pas le cas. Pour l'instant. Donc ok, qui prend la potion? Moi. Ok, donc c'est pas de contestation, la potion. Comment ça pas de contestation? J'ai dit ici. Le sort, ça va. Vous êtes d'accord? Mais tu t'es juste roulé dans un fossé, toi ici. Je veux rien dire, mais quand même. J'en ai pas besoin de ce truc. Ouais, moi non plus. Prends-la seulement. Ah là, merci beaucoup. J'ai failli croire que vous ne vouliez pas. Quoi, il te reste des sorts de feu peut-être? Moi j'ai vu où il avait mis sa bouteille. D'où elle vient la bouteille alors? Non, c'est où elle a mis. Ça change tout. Ouais. Oui, il me reste des sorts de feu, bien entendu. Plein, hein. Donc voilà, le gosse est en train de pleurer dans son écurie. Vous avez looté le monstre sans foi ni loi. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, on va continuer notre périple, nous, non?
Nous, notre but, c'était Ah. d'aller. On va laisser le gosse comme ça là, c'est quand même Bah, moche. on Hein. va... Non, non, mais attends, le gosse, il avait promis une petite, petite Allez, qu'on prime. pense. Bien sûr. Oui, il l'avait. Je l'ai entendu, moi. Alors, les sous, Ouais, les eh sous, oui. les sous. Donc, qu'est-ce que vous faites? On a quand même libéré la grange de ses fermiers. Il pourrait être un peu. Un peu. Hein, On peut remercier en tout ça. un peu Des gracieux. sous. Des sous. Pour nous permettre d'aller continuer à combattre les plus La veuve et bandits l'orphelin. plus loin. Voilà. Des sous. Oh, des Donc, sous. qu'est-ce que vous faites? On veut des sous. Oui, mais ça me dit pas qu'est-ce que vous faites? Ah, Qu'est-ce on qu'on lui récolte la demande des soupe. sous? Putain, vous chillez, les gars. On veut des sous. Bon, sinon, vous partez, bredouille. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Le combat est terminé. Le gosse est dans la grange. On va On parler au chef. va dans la grange. Moi j'entre dans la maison à côté de la grange, parce que la grange m'intéresse pas des masses. C'est quoi le triangle? Les extraterrestres qui attaquent. Donc, Isaël, Rudium. Putain, faites chier, les gars. Isaël, Rudium, vous rentrez dans la Mais grange. attends, j'allais terminer. Voilà, je rentre dans la grange. Oui. Minx, vous rentrez dans la grange. Je suis. Rudium, toi aussi. Oui, tout à fait. Moi, je veux voir ce qui s'est passé dans la grange. Vous rentrez dans la Je veux voir grange les. et vous voyez le fermier est allé au milieu d'un carnage qui a l'air d'être un milieu de chevaux à moitié bouffés et également ce qui a l'air d'être un homme à moitié bouffé également et le gosse a l'air de tenir cet homme dans ses bras en train de sangloter. C'est frais. Ville, tu rentres dans la grange et en rentrant dans la grange, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir une odeur de mort dans la grange également. Tu veux dire la pièce à côté de la... Ah, Oui, c'est l'écurie de pas la dans la grange. grange, dans la ferme. D'accord. Je sens une odeur de mort, de Ouais, putréfaction. c'est ça. De déjà putréfaction, hein, je Ville précise. sort de la maison. Est-ce que je sens, je peux sentir d'où ça vient? Est-ce que c'est fort? Est-ce que il y a un courant d'air? J'ai une manière, une façon de voir d'où est-ce que ça pourrait provenir? Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y a plusieurs étages dans cette ferme? Là, tu es dans une espèce de cuisine et en fait, tu remarques assez rapidement que l'odeur a l'air de venir d'un corps dans la cuisine. D'accord. Et je regarde par terre, je cherche le corps. Tu vois le corps? Ça a l'air d'être le corps d'une mère, en fait, d'une femme d'une quarantaine d'années, qui a la jupe déchirée. D'accord. Et qui est égorgée, mais hormis ça, voilà, le corps a l'air d'être intact. D'accord, mais elle est décédée, elle est morte. Et décidée, oui. Est-ce qu'elle porte une marque quelconque sur elle? Est-ce que c'est parce que est-ce qu'elle a l'air d'avoir été mordue? Parce que si elle est égorgée, c'est un couteau qui a fait ça? C'est quoi le... Non, ça a l'air d'être un couteau qui a fait ça, ouais. D'accord. Du coup, je cherche un mobile. Est-ce qu'elle a encore ses bijoux sur elle? Est-ce qu'elle a encore des objets de valeur sur elle? Tu ne vois pas Un de bijoux sur mobile. elle, non. Là, rien, ok. Par contre, elle a l'air clairement d'avoir été violée, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que autour de moi, Très bien. j'aperçois d'autres objets de valeur qui auraient été laissés à l'abandon? Là, dans la cuisine, pour l'instant, tu ne vois rien. Par contre, c'est le bordel un peu dans la cuisine. Tout a l'air d'être renversé, sans dessous. Ok, je sors de la cuisine, je continue dans la ferme. Quelle pièce je rencontre et qu'est-ce que je rencontre? Donc tu explores le reste de la ferme, tout a l'air d'être sans dessus dessous, et tu tombes à un moment donné sur le cadavre d'une jeune fille qui a l'air d'avoir subi le même sort que la mère, si pas pire. D'accord, même analyse. Est-ce qu'on lui aurait dérobé ses objets de valeur, ses bijoux? Elle a l'air d'avoir un doigt arraché ainsi qu'une partie d'une oreille arrachée. Mais est-ce qu'elle a des objets de valeur sur elle ou Là, elle n'a pas? plus rien. Ok, très bien. Tu continues de fouiller, fais-moi un jet en perception, parce que j'ai pas objet caché. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah tu trouves
Tu trouves l'équivalent 50 pièces d'or en bijoux. Je vais prendre ces... à contre-cœur! Que dalle! Parce que souvent, je commence à avoir, tu vois, cette impression de trop, tu vois, genre, tu vois, quand tu as mangé, j'aime beaucoup les fraises, tu vois, mais si je m'enfile un panier plein, j'en ai un peu marre, quoi, tu vois, bah là, c'est un peu pareil, là, je commence à avoir trop de fric, donc. Donc ça devient lourd, hein. L'or, c'est pas léger. Ouais, donc là, c'est 50 pièces d'or en bijoux, donc je vais C'est noter ça. bijoux, valeur 50 pièces d'or. 50. D'accord. D'accord. Eh bien, je fais le constat. Donc, il y a une dame qui semble avoir été violée, une jeune fille qui semble avoir subi le même sort. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette ferme que je n'aurais pas vue pour le moment? L'air de rien avoir, non, ça a l'air d'être une ferme de ce qui est plus classique, ustensiles de cuisine, vêtements, etc. Et le carnage. Et tu. Voilà, tu. Est-ce que Tu. je peux constater en fait que ça n'a pas été provoqué par l'ogre qu'on vient d'abattre? Oui, tu peux repérer de toute façon que l'ogre n'aurait pas su rentrer dans la bâtisse. D'accord. Très bien. Eh bien, je vais sortir et je vais annoncer la triste nouvelle aux autres, dans l'écurie. Le petit fermier, quand il entend ça, ses pleurs redoublent et il se dirige, les pas lourds vers le bâtiment de la ferme. Eh bien voilà, je sais pas si l'un d'entre vous a une manière ou une autre de parce qu'en fait en gros si vous allez voir, vous verrez qu'elles ont été violées et tuées, et je doute fort que ce soit l'ogre qui ait pu faire ça. Donc il se trouve en fait qu'il y ait ici quelqu'un d'autre, hein, qui ait provoqué ce drame. Donc je sais pas si l'un d'entre vous se sent d'attaque pour venger ou pour retrouver ce malandrin, mais voilà, il faut qu'on prenne une décision où on continue notre route vers Robasque, où on termine ce qu'on vient de commencer. Aïe aïe aïe. Gasp. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce malandrin pourrait être loin? De quand date-t-il fait? De ce que tu as vu, Ous, ça pourrait être un groupe d'individus. Est-ce que oui, j'ai peut-être oublié, mais est-ce que le corps est encore chaud? Non, le corps n'était plus chaud. Non, à mon avis, à mon avis, ils sont loin et tu noteras le pluriel parce que je pense qu'ils étaient plusieurs à avoir commis le crime. Hélas, nous ne pourrons pas faire grand-chose de plus et il ne faut pas trop nous éloigner de notre quête. D'accord. Donc, d'un commun accord, vous décidez de laisser le Ça, fermier c'est mon laisser. point de vue. Moi, je reste sur la vision de mon Dieu et faire attention à la fin du monde et pas faire attention à un 5 payots qui viole les femmes. Oui, c'est peut-être lié. Ouais, bah, si Rovagug a que ça à faire, tant mieux, hein, mais. Voilà, moi je serais plus à ne plus perdre trop de temps parce que pendant ce temps-là, nous avons un dragon chasseur. Oh, c'est peut-être révélateur. Un Oui. dragon là, qui se balade dans les marais. Faites-moi un jet en. On va dire intelligence, parce que j'ai pas un dieu de compétence. Oh, laissez-moi faire alors. Ouais, il faut le faire tous. Voilà, tout le monde, hein. Ouais. Ouh. Mais moi, c'est pas ça que je dois faire, moi, c'est plus C'est pas combien? 2D20, hein. Bien que c'était pas mal. Je vais prendre le premier que Il est t'as fait. fatigué, Radium. Oh, Euh, ouais, donc, forcément le premier. donc Isaël, bah c'est le Attends, mais moi premier je que t'as fait, c'est le courais premier parce qui que compte. t'es. C'est un des 20 plus 6, moi, non? Bah tu l'as fait, non? Mais non, j'ai pas fait plus 6. Ah, ok, plus 6. Bah écoute Bon, Isaël. admettons que t'aies fait C'est plus plus 6, moi. 6. C'est plus 6 ou plus 4? Merde, je ne sais plus. Oui, non, c'est plus 6. T'as plus Comment 4. ça, Minsk, te Plus 20? bleu. Ouais, donc. Oh purée! Non, mais tu l'avais déjà Ouais, bah fait. attends, moi je peux relancer aussi un Non, non, D1. non, Mais mais non, tu mais l'as. j'avais pas fait. Ouais, moi Tu vois? aussi. Non, mais hey, oh, les gars, les gars, les gars, Oh, les gars. ouais, oh. Je vais juste rajouter ton bonus de plus 6 à ce que t'avais avant. C'est. Oh, la triche, quoi. Donc peu importe, Isaël,
Tu es la seule à te rendre compte qu'en fait, ça a l'air d'être la conséquence de ce que vous saviez déjà. C'est-à-dire que les activités de Roquevagug ont l'air de s'être intensifiées et que des monstres ont l'air de. Enfin, des créatures autour de Roquevagug ont l'air d'avoir augmenté leur activité un peu partout. Et, quand, et en gros, voilà, c'est. C'est une. Rigolo qui ont perdu leur cerveau, donc ça sert même à rien que je leur explique. Parce que en faisant des 1 en jeu d'intelligence, en même temps, c'est foutu. Donc, eh ben, je garde tout ça pour moi et on va aller essayer de se balader du côté de la capitale pour en savoir plus sur le dragon. Ok. Donc vous allez vous laisser les villageois là. Par contre, les deux qui vous avaient accompagné restent dans la grange, restent dans les environs et décident d'aller aider le garçon que Oui, vous justement, trouvez. j'allais quand même dire, on le laisse vraiment comme ça, on lui aiderait pas quand même à faire une On met une petite, tape sur l'épaule, on fait trincasse, t'enverras d'autres, et puis on y va. petite cérémonie pour Ouais, enterrer peut-être les. qu'il faudrait enterrer les deux, Voilà quoi, une petite sa mère, cérémonie quoi. voilà. Sa mère, Ah, ça si serait tu son frère. veux. Et allez, un petit peu Ah d'hygiène quoi. oui, on va faire ça, on va faire ça. Et puis on ira. Et moi j'aurais dit peut-être prendre le gosse avec nous, vu qu'il vient de perdre toute sa famille, et on pourrait le laisser au temple. Mais non, mais il a son père, hein, au calme-moi, hein. Ah, son père est toujours en vie. Ben oui. Non, non, son père, il est mouru, non? Ouais, il est Mais mort, il non. était bouffé. Ah ouais, Pourquoi voilà, moi, il a perdu sa sœur, son père et sa mère, hein, je veux dire. C'était qui Il y avait un marteau. Non, on parle pas du père et son fils qui sont venus nous prêter main forte, on parle du garçon qui nous a demandé justement de l'aider parce que. Ah, d'accord. Voilà, donc lui, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on le prenne avec nous à Robasque et Plus fluide. qu'on le laisse au temple pour devenir un disciple du temple. On passe du temps pour brûler les cadavres et faire une cérémonie comme ça se doit, parce que voilà C'est vrai quoi. qu'il reste une main brûlante à Isaël encore. Mais on s'en fout, j'ai 10 baguettes. Non, j'ai une baguette avec 10 mains brûlantes. Donc vous faites les offices nécessaires pour Oui, tout emmener à fait. les Parce qu'il corps faut faire les vers choses comme il le. faut. Ça. Le garçon, après cette cérémonie-là, la journée est en train de s'achever petit à petit. Il reste encore quelques heures de lumière. Et le garçon est complètement hagard devant le feu, regarder ses parents pleurer, en train de. Le garçon est en train de pleurer et ne réagit pas. Qu'est-ce que vous décidez de faire de lui? Ben on va le prendre avec jusqu'à Oui. Robaz. Voilà. Donc le garçon ne réagit pas, il vous suit J'ai un hagard. robot Ouais, maintenant. mais est-ce qu'il a un cheval? Eh Maintenant, il non, va mais se mettre. enfin, il est tout fin, hein, tu le prends avec Oui, il est toi. tout fin, c'est Il le venait gars, d'en il assume, avoir quoi. 18 ans. Il était beau comme un amant. Un Ah, fermier, mais il a travaillé il a 18 ans. toute sa vie au champ, il est pas tout fin non plus, quoi. Ah, Ouais, mais bah bon, on alors, peut ça le va, mettre quand même. je le prends sur mon cheval, moi. Oui, on peut le mettre derrière Isaël. Hein. Il a quasiment le même âge que moi, en fait, hein. Vous savez, ça. C'est ton frère, en Ouais. fait. C'était ta ferme. C'est ma ferme. Non, ça, j'aurais reconnu les lieux, Mais tu es amnésiaque. Mais non, pas du tout. Ah Amnésiaque, bon? c'est comme l'amaniaque, mais en amnésiaque. Pourquoi tu oublies de te les plier alors, tout le temps? Pourquoi t'oublies de te laver? Y a Darcia qui dit sur le chat, la baguette de main brûlante, tu ne l'as plus, tu l'avais laissée au seigneur loup-garou pour son combat. Bien vu. Mais non, non, mais je me suis trompé, c'est pas de main brûlante. J'avais récupéré une baguette de encore mieux que ça d'ailleurs, de rayon Projectile. ardent. Une projectile. T'avais deux baguettes de main brûlante. Voilà. T'avais un Et parchemin de donc. rayon ardent. T'avais une baguette de projectile. Voilà, j'ai une baguette. Et maintenant, il me reste une baguette de main brûlante et une baguette de projectile. C'est ça. N'exagérons rien. Hein. Ah ben voilà. Donc voilà, pas de soucis, vous faites ça, le gars vous suit sans trop de problème. Vous vous redirigez vers le village où vous aviez logé et vous passez la nuit. Et les deux du village qui vous avaient accompagné retournent là, ils racontent ce qui s'est passé, ils racontent vos faits héroïques et les événements tragiques qui se sont déroulés à la ferme, tout le monde compatit, etc. Et le lendemain, vous repartez vers Aubasque et on va s'arrêter là aujourd'hui. Parce que vous êtes tous très dissipés de toute façon. C'est même pas Pas vrai. du tout, on est Oh, censé c'est pas vrai du parler. tout ça. Il a fallu que je Oh. mette une grosse tatane à Isaël pour que les gens se calment un peu, quoi. Oh la mauvaise foi. Une tatane à Isaël, mais j'ai buté un ogre à moi tout seul. Elle a perdu deux poumons dans l'échange, mais C'est bon. mieux que je lui mette une tatane.
Moi, je suis là, moi, je serais partant pour dire qu'après ce combat-là, Isaël, elle perd encore un point en charisme. Oui, ça c'est vrai, c'est pas tout réparé. Permanent, tu vois, en charisme. Non, je suis pas d'accord. Il n'avait pas fait un coup critique non plus, l'ogre, donc... Putain, c'est on vrai, sait pas tout réparé. Il aurait pu faire un coup critique. Ah là, ça aurait été un mort directement, je pense. Si ça avait été un coup critique, il aurait eu un mort, je pense. À moins 2, c'est bon, non? Tu peux descendre jusqu'à moins 2. Oui, tu vas... Si, oui, tu peux descendre jusqu'à moins 10. À moins 10, t'es mort. Mais tu peux descendre jusqu'à moins 10. Ah bah voilà, c'est bien. Mais bon, tu vois, il faut quand même faire quelque chose quand t'es en dessous, quand t'es dans les moins, sinon tu vas juste crever au bout d'un petit moment. Petit, ça va. Donc voilà. J'ai une petite question, rien à voir comme ça, mais j'en profite tant qu'on est encore en live. Et à un moment donné, on passe au niveau 4 ou Bah, en fait, vous avez. C'est parce qu'on ne joue plus énormément, mais vous avez monté niveau 3 il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Oui, au moins 3 mois. Vous venez à peine, d'acquérir vos sorts, moi je dis ça comme c'était ça. C'était l'année dernière. Au moins. Alors, en même temps, on a fait des gros putains d'hiatus pendant super longtemps, on n'a pas joué pendant longtemps. Mais chronologiquement, dans le truc, vous avez, ça fait pas tellement longtemps que vous avez monté niveau mais 3. Mais il s'est passé tellement de choses, on a tellement appris, tu vois. Et on a niqué un ogre. Vous ne connaissez même pas encore bien vos sorts de niveau 3, quoi. Mais ouais, mais on veut apprendre ce niveau 5, surtout. Ceux-là, ils sont balèzes. Bah déjà, ce niveau 3, ils sont pas mal. Hein. Ouais, une petite lame qui fait... Bah, tu, moi, parce que tu dis que ça, mais t'as autre chose. Hein. Moi, je trouve que mes sorts de niveau 3 ne sont pas si mal. Hein. Moi, j'ai trouvé un cimetière enchanté qui touche à tous les coups. Ouais, putain. Mais t'as vu, elle a droit quand même à un sort qui fait 4d6, hein. Ah, mais attends, et c'est mon plus petit. Non, c'est pas ton plus petit. Nous, on n'a pas de 4D6. Ouais, mais nous, on guérit super bien. Enfin, toi, et puis pas vous, moi. Vous avez des sorts qui relèvent plus de l'utilité, tandis que les mages, t'es vraiment orienté dégâts. Ouais, bah, dès qu'on fait de l'utilité, ça marche pas. C'est ouais, nul. Parce que c'est truqué. Puis vous pouvez aller parce au que, ah oui, et surtout parce que quand toi, tu dis que c'est un round, en fait, là, ils disent une minute, et une minute, c'est plusieurs rounds. Donc ça changerait toute notre utilité si on pouvait utiliser ça plus mieux. Non. Exactement. Je m'en bats les couilles. C'est vrai. Hein. Chez moi, j'ai toujours fait... Alors, toujours en live, hein, on est toujours en live. Hein, j'ai toujours fait... J'ai toujours, j'ai, de, depuis le tout début du jeu, j'ai toujours fait un round. Les gens découvrent la face cachée de Gilles. Regardez comment est-ce qu'il est quand on n'est pas en live. Quelle face cachée. Quelle face cachée. J'ai toujours été comme ça en live aussi. Hein, donc, on va arrêter le live parce que... Ouh, non, mais toi, c'est chiant. C'est ma némésis. On a plein de trucs qui pourraient être super balèzes, mais vu que c'est qu'un round, alors que des fois, ils disent que c'est une minute, c'est pas la même chose. Parce qu'un round dure une minute. Alors, il y a des grosses différences. C'est que normalement, il faut utiliser l'initiative, ce que je ne fais pas. Parce que c'est super casse-couille, ça rallonge les combats par 3 au niveau de la durée. Donc à ce moment-là, ce serait peut-être accurate. Mais j'ai toujours fait un round, c'est-à-dire un tour d'action de tout le monde, ennemi plus allié plus joueur, le tout fait une minute. Ça a toujours été le cas. Ça a changé à dire que non. Une minute, c'est 2 rounds? Non, jamais. Un round égale une minute. Un round égale un tour d'action de tout le monde. Allez, vas-y. Après, je vais dire la même chose que j'ai dit à Tom. C'est Gilles, le maître de jeu. Donc, finalement, c'est lui qui décide. Il faut respecter le GM et tout ça. Non, j'ai pas dit qu'il faut respecter le GM. J'ai dit qu'il faut respecter les règles que le GM. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai dit. C'est pas pareil. Cela étant, je vais quand même remercier ceux qui sont passés nous voir aujourd'hui. Un petit salut et coucou tout particulier à Titili qui est repassé après 2 ans d'incarcération. Je sais pas ce qui lui était arrivé, mais elle a passé en distraction. Et sinon, voilà, j'avais des habitués Satorax et Cross, Solaris 29, Darcia Brimbourg, Piquant Rouge, IP. J'ai vu aussi un autre Bronx Forge Plume que je n'avais encore jamais vu auparavant. Et peut-être que j'ai manqué des gens sur le chat, je suis désolé, aujourd'hui j'ai pas vraiment eu l'occasion de noter tout le monde. Et voilà. Ok, bah, merci à tous d'avoir été présents. La semaine prochaine, normalement, c'est que Toulouse, mais comme c'est les vacances, on sait pas encore si on va le faire. Parce que personnellement, je sais pas si je serai présent la semaine prochaine. Ah, faut vous dire, hein. Ouais, c'est puis, ça, hein, tu peux me dire ça, mais tu me disais aussi que tu serais peut-être pas dispo la semaine prochaine. On fait pas le malin, toi. Bah ouais. faut tout dire. Faut tout dire. Hein. Faut tout dire. Donc,
Donc maintenant, on est de retour sur le format qu'on avait décidé début d'année, c'est-à-dire tous les jeudis, avec en alternance Toulouse et Pathfinder, quoi qu'il arrive. S'il y a un show qui n'est pas là une semaine, la semaine d'après, c'est quand même le show qui devrait être là. On ne reporte pas. Voilà. Donc la semaine dernière, il n'y avait pas que Toulouse, bah, c'est quand même Pathfinder cette semaine-ci. Donc la semaine prochaine, normalement, on sait que Toulouse, et s'il n'y a pas, bah, la semaine d'après, ce sera quand même Pathfinder, sauf s'il n'y a pas, etc., etc. Voilà. C'est très clair, je sais. Non, C'est on pas n'y comprend plus rien. compliqué. C'est tous les jeudis en alternance Pathfinder Toulouse point barre. Ça va pas plus loin que ça. Merci à tous d'avoir été présents. Si vous avez manqué des parties, ce sera disponible le week-end sur YouTube. Salut à tous et probablement pas à la semaine prochaine. Sur YouTube. Salut. Salut.